savez, mais le rappel des pilotes qui prendront le départ. On prend souvent les pilotes expérimentés pour ce genre d'aventure, et chez O'Neill ne s'y trompe pas en prenant Tom Christensen, l'octuple vainqueur des 24 heures du Mans. À côté de lui, il aura Marco Bonanomi. Vous dites aussi vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire à fond, à fond? Ouais, pas mal. Il fait sec en tout cas. Et le tour suivant, ils sont... Après un tour ou deux, les audits dans quel ordre, les nouvelles ou les autres. Donc effectivement, pas mal de questions qui vont être posées. En langue allemande, que nous allons pouvoir comparer les deux modèles d'Audi. L'Audi e-tron qui peut être au-dessus de 120 km/h. Une Gignon, la voiture numéro 45 qui partira en 18e position. Dans le Formation Lap. Et ce sera l'occasion pour les pilotes, bien entendu, de reconnaître une dernière fois le second. Il respecte bien la sévère.
Chavez und seinem neuen Team. Par contre, faut pas...